Donc, bien aimé, comme je l'ai dit au bon matin, nous sommes comme Savon Génie a dit bon matin, pour moi personnellement, en premier, et pour le bon Dieu qui soit et qui soit. Bon matin, c'est un pour la bien aimé. Madame Adèle, bon Génie en fait qui fait et soit bien comme la réalité. Mais l'Église pas qu'à rechercher face mon Dieu. L'Église pas qu'à rechercher puissance mon Dieu. D'une manière, nous faisons ça, nous, puissance, pour nous dégager parce que mon Dieu, puis on a trouvé guérison, puis on a trouvé révélation, puis on a trouvé ça, on a fait faire dans la parole de Dieu. Je l'ai mis une des prières à payer. Pour ma question, mes états, on va payer en prière, en jeûne prière. En tant qu'on nous dit, nous vous et puis, on nous dit, ça, la paix, ma carte, mais ma lèvre, c'est ça, vous êtes ouvert. Donc, il y a un prix à payer de lui. Donc, sans plus tarder, nous allons faire vite nous, à la acte 9, verset 1 à 15. Acte 9, 1 à 15. Si la question qui peut faire la lecture. Aux femmes qui les avaient liées à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regarder contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Paul se releva de terre, Mais quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, le roi du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse. Car il prit et l'a vu en disant un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est
cet instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, nous sommes un récit de la Bible. C'était un homme, seul de temps. Donc, à penser que toute mon histoire à connaître, qui était seul de temps. Qui veut qu'il peut parler moins brièvement du seul de temps. Qui a été dit? Quelqu'un vous dit que c'est une bibliothèque du seul de temps, hein? Parce que, ma parole est encore bougée par Dieu connaît la vie de Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était un judaïque, un persécuteur. Il était de quelle nation? Hébreu, né d'Hébreu. Et il était scellé avant le judaïque. Paul, élevé, et puis Gamaliel. Et peut-être que vous pouvez avoir une instruction à laquelle pour l'île qui s'est passé à l'évangile. Et là, la nouvelle question du livre, l'entrée, c'est le fait qu'on les dit. Sol. Sol est le fait qu'on les dit. Donc, quand elle m'a dit, nous sommes, bon Dieu, tout message-là, il parlait à vous, à ces autres. Donc, quel instrument as-tu pour Dieu? Voilà le titre du message. Quel instrument as-tu pour Dieu? Non, le titre du message est es-tu un instrument choisi de Dieu? Voilà. Es-tu un instrument choisi de Dieu? Donc, nous, à ce message-là, avant la lettre de la routine, il y a, il dit, nous allons dire avant tout, il y a cette question, mais le Seigneur lui dit, vraiment, dans ce temps, c'est un instrument que j'ai choisi pour prêter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, Jésus-Christ, choisit Paul, Paul de Tarse, qui dit l'apôtre Paul, comme un instrument, il dépend un homme devant les rois, devant les nations, devant les gouverneurs, et c'est lui qui divine, qui fait dire de la porte des païens, tout à fait. Yeah. Et là, nous pouvons voir les mêmes, Paul c'était un instrument entre les mains de Dieu. Bon, de pour nous, ici, là, bon Dieu fait de nous des instruments entre la vie. Mais la question qui m'a apporté là, qui est instrument ou lieu pour Dieu? Qui est instrument ou lieu pour Dieu? Nous sommes dans l'église là, il y a des instruments, des chants, des instruments musicaux, des instruments. Le prédicateur, nous verrons tout ça. Mais bon, maintenant, il y a un projet de question. Qu'est-ce que tu m'as ou je vous dis? Nous allons encore dire, mais les instruments de musique, c'est tout ça qui est là. Le nid, guitare, le nid, batterie, conga, piano, etc. Tout ce qu'on a qui t'a joué, c'est tout le monde là. Je peux dire que des instruments de musique. Tout ce qui est chanté, ce sont des instruments de chant. Je pense que tout ce musicien l'a gardé. Et que moi, allez, moi, trop pour aller voir ma mère et moi, t'as joué. Tout ça va passer. Tout ça va passer. Vous êtes nous connaissez, vous êtes nous avez passé, les musiciens.
Mais c'est terminé. Bon. Nous nous des instruments, nous nous la musique. Bon, pour ça, la musique. Vous pouvez voir ça. Quand vous êtes tout bon, je vais bien comprendre la réalité. Parce que nous avons à l'aide de l'unité.
en 2019, avec qui ça vous a passé. Et c'est pourquoi, si Dieu est attendu comme un esprit m'avait je dois enseigner le peuple de Dieu avec la connaissance de la révélation de la parole de Dieu, parce qu'il est écrit, mon connaissance ne peut pas vous. Je ne sais pas, si nous n'avons pas l'église, on fait par nous, il faut être exactement choisi par Dieu. Nous sommes tous les deux. Parce que le monde est une pour l'église, c'est ce que passe mon Dieu, pour l'église, même dans la dimension de la volonté de Dieu. Toi, le monde n'est pas, toi, le pas, de le monde, vous regardez, de l'église, dans l'église, mais le monde c'est pas dans la Bible du mal. La Bible du mal, ni la Bible du mal, il faut parler au monde, je vais poser des noms à la chaîne avec un Dieu, oui. Bien aimé, moi, tout ce que je dis, ça. Sa Bible-là, écrit, il y a tout ça dans la foi. C'est toi, mon Dieu, qui m'a accroché. Donc, vous savez, comment dire, si vous vous appelez à être un instrument, ou si vous vous appelez à être un instrument, à nous jouer à ton instrument, à vous appeler à être. C'est pourquoi, vous savez, cette musicienne qui m'a, vous savez, je l'ai trouvé de Dieu, qui dit, dans Pourquoi? Bien aimé,
y a des gens électroniques, les gens électroniques ne montent pas tout de suite. Parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, vraiment, c'est bon. Le plus souvent, c'est une fois que c'est complètement dans la qualité. Alors, ça qui veut dire, madame, vous m'avez rentré en disant, puis vous m'avez pardon, excusez-moi. C'est vrai, ouais, vous avez fait des questions sur la combattre, là. Et je pense que je l'ai fait, même à moi, parce qu'en ce moment, je ne crois plus. Et après ça, il dit que je ne peux pas faire ça, il dit que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Mais je ne peux pas faire ça. L'autre a mal traité, vous pouvez vous dire, et quand on va faire de la même manière, c'est moi qui débaille les enfants. Il dit, il y a des conférences, des enfants, et il tape. Il dit, madame, vous êtes parce que je voulais tout le monde, je vous avais dit par moi. Le lendemain matin, j'ai demandé à faire une conversation en dimanche, excusez-moi, la changer mon pays, je trop. Donc, bien aimé, et puis, madame, à ce moment-là, il y a des gens, ça va être pas de forme, comme on dit, il y a des gens qui vont être les à ce moment-là, bien la vous avez donc, vous avez dit, il a dit, instrument reconnu pour toi. Ce qui veut dire que tous les années, la préfecture a envoyé l'équipe totale, l'équipe en totalité, dans 5 programmes qui ont à peu près 100 à 24 disciplines d'égalité. Pour être 6 programmes conformes, 6 programmes par 4 disciplines, ça a terminé de la débuter de son sorti. Nous avons appris. Donc, tous les années, le plan a subi des contrôles et les a contrôlé toutes ces contrôles. Il y a 20 comptes, c'est tous les 20, au moins 100 litres d'argument de gaz de potable dans chaque contrôle. C'est pour savoir 6 contrôles. Et il y a fini, le cas de l'antéticat derrière l'air là pour savoir, instrument reconnu conforme. Donc, même on a dit, il dit, mon contrôleur, pour ne pas mettre la cité des enfants, on a dit, madame, voilà la loi. C'est là. Et c'est comme ça, bien aimé, ou par ministre, pour vous sentir en préparant. Donc, des instruments, sommes-nous des instruments reconnus conformes par Dieu? Des instruments reconnus conformes par Dieu? Oui, des instruments que Dieu a appris, et bon Dieu a travaillé, bon Dieu a fait par Dieu, et le conforme à Dieu. Mais des instruments aussi, à laquelle il n'est pas conforme à Dieu. C'est-à-dire que Dieu prépare les noms, mais il n'a jamais les questions conformes pour la gloire de Dieu. Nous allons voir, quand nous parlons de Daniel 6, de Daniel, chapitre 6, verset 1. Allez, si je vais avec vous. Avant de Daniel, on va prendre 2 chroniques, 5, verset 12. Deux chroniques qu'on avait parlé, c'était le texte qui disait pour les instruments de femmes et musiciens. Deux Chroniques, chapitre 5, verset 12 à 14. Et tous les Lévites qui étaient sans Azaph et Nath, Zébitouni, leurs fils et leurs frères revêtus de se tenaient à l'opinion de l'autel avec des cédars, des lutes et des arbres, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant de trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient de trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, furent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles,
car il est bon, car sa miséricorde est toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Nous réclamons les bien-aimés, les chanteurs et les musiciens, à Paul puis au chanteur, puis au louer l'Éternel, et nous, mais c'est des alentes comme ceux qui sonnaient des trompettes et qui chantaient, qui disaient de même encore pour célébrer l'Éternel, pour louer l'Éternel. Si on est sur la trompette, les cymbales et les autres instruments, pour célébrer l'Éternel par ses paroles. Donc, je suis dans le commun accord. Je suis dans les musiciens et les chants, c'est le commun accord. Le célébrer l'Éternel, et qui s'est dit, nous avons fait comme ça. Les sacrificateurs n'ont plus pas qu'ils restent pour faire le service à tous. De la manière comme la gloire de l'Éternel remplit la maison de Dieu. Bien-aimés, chante et les musiciens, vos hommes, les ouais, la gloire de Dieu remplit par le Saint-Esprit, pour vos hommes de commun accord. Unique exemple de commun accord. Pas de division, pas de médisance. Pas de haine, mais de commun accord, bien-aimé, gloire de Dieu, car il est rempli d'eau, parce que c'est une maison de Dieu. Et c'est de là que nous allons vraiment proposer que ça soit une bénédiction et une délivrance. Mon frère de bien-aimé, ma soeur Catherine de Lévi, c'est témoin, mais en 94, 93, 94, c'est témoin, il est Saint-Esprit. L'église est ainsi de l'église. Là où on s'est allé, le papier nous a allé poser une main dans les mondes. Pendant le moment de l'adoration, c'est le niveau de la fête de l'église. Nous ne pas se passer de l'église ainsi. Il nous est seul l'église qui se nous connaissait qu'il y a un peu de l'expiration. Et effectivement, pendant le moment de l'adoration, c'est le niveau de la fête de l'église. Donc, c'est le niveau de la fête de l'église. Dans l'église. Mais, pour cela, il faut que les chants, les musiciens et le peuple de Dieu finissent de l'accord. Forme, le seul cœur, même âme et même esprit. C'est ainsi que nous aurons la gloire de Dieu. C'est une main choisie par Dieu. De Samuel 6, verset 1 à 8. David rassembla encore toutes les 800 Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalisha pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline d'Isa et d'Ashur, fils d'Abinadab. Conduisait le char en neuf. Ils l'emportèrent donc à la maison d'Abinadab sur la colline. Isa marchait à côté de l'arche de Dieu. Et Ashur allait devant l'arche. Ashur allait devant l'arche, David. Et toute la maison d'Israël jouait devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpons, des lutons, des tambourins, des sifflets et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'air en Nathan, Usa étendit la main vers l'ange de Dieu et l'a saisi parce que les deux n'en faisaient pas. La colère de l'Éternel s'enfonça contre Usa et Dieu le frappa sur la face à cause de son corps. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Isa de tels sentiments. Et ce mot a été appelé jusqu'à ce jour pour un Isa. Amen. Noël, tu as vu passer. Noël, que David, c'est un transporteur de la foi à Jérusalem. Et voilà que il y a tout un peu de vie.
Lorsque il mettait un tour, c'est un carboué, nous t'a dit. Et il vient, et puis,
l'Éternel sans cri, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse fit mieux dans cela, éloigné le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient. Il le sanctifiait. Il en fit cette transpiration sur l'autel. Il éloigne l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloigné afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, et leur attacha des bonnets comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Amen. Donc, bien aimé, est-ce que nous devons faire l'histoire là? Moïse, pour Dieu, il criait, il dit prends un à un, et puis c'est deux soucis. Donc, c'est ça pour Moïse, c'est préparer à la sanctification. Puis il y a fait ça après, à grand service de Dieu. Bien. Là, Moïse limite, il fait tout ça, bon Dieu, malgré le faire, très bon Dieu. Nous comprenons, pour bien comprendre l'histoire là, pour ça, pour qui? Après, ça finit. Nous avons verset 18 à 20. Vous allez lire tout ça plus tard, parce que c'est un petit peu. Verset 18 à 20. Et c'est très bien de venir. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Nous voilà, c'était Moïse qui était gâté. Seulement, il y avait bien. Moïse, il fait approcher le bélier et l'Holocauste. Pour l'Holocauste. Aaron est une fille qui a posé la main à tout cet bélier. Voilà, là, il y a du droit. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la tête. Donc c'est Moïse toujours qui a fait toute la sacrifice là, parce que le bourreau du droit. Et cette sacrifice là, c'est Moïse là. Et puis, il doit savoir de Dieu. Et là, Moïse a dit simplement poser la main de la tête. Et bien là, Moïse a parlé. Nous avons verset 22. Il fit approcher votre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang, et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le pouce de son main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Il fit approcher le fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de l'oreille droite, et sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Amen. Donc nous avons toujours dit que c'est Moïse qui toujours a conduit tout ce qui est sacrifié. C'est pas le gars qui a posé la main à tout le monde, à chaque fois. Et là, c'est lui qui a gorgé, c'est lui qui a fait le corps. Bon. C'est un peu plus. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Amen. Le deuxième qui s'est arrivé par là, Moïse dit il prend l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, il fait l'aspersion à tout Aaron, à tout vêtement, à tout fils Aaron, à tout vêtement, fils Aaron et puis. Il sanctifie qui est Aaron, qui est ici. Donc là, maintenant, c'est de séparer pour cette Holocauste. Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation.
C'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme vous avez ordonné en disant à Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que le jour de votre consécration soit accompli, car 7 jours seront employés à vous consacrer. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme l'expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez le commandement de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas. Car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils prirent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. D'accord. Je vois très bien. Moïse a bien dit. Moïse dit comme ça que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. L'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la destination, jour et nuit. Vous recevrez le commandement de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été donné. Moïse a transmis sa volonté. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonné par Moïse. Vous voyez, ils ont fait toute la veille. Toute la veille passée, vous m'avez donné. Ils ont obéi, tout ce que Moïse dit, Aaron dit ce qu'il fait, ils ont fait. Bien. Mais vous savez, ouais. Pour qui bon Dieu? Vous savez, pour qui bon Dieu? Mais je vais te confier tout ça. Alors, je ne sais pas, je vais vous dire. Chapitre 9, verset 1 à 2. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation. Et un bélier pour l'Holocauste. L'un et l'autre sacrifieront et sacrifieront devant l'Éternel. Voilà que bon Dieu peut parler, et comment on va faire mon attaque pour cette sacrifice? Bon, le verset 6, lui, le verset 6. Moïse dit : vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Oui, le verset 6. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Bon. Tu peux dire aussi, on va aller Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fait l'expiation pour lui comme l'Éternel l'a ordonné. Alors on s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang et mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Donc nous voilà, vous lui préparez Aaron, Aaron va faire ce sacrifice-là. Et dès qu'il s'en allait, ça a été mis comme responsabilité, c'était transparent, et puis, compris. Le fils d'Aaron lui présentait le sang. Il ne prend pas son doigt dans le sang. Donc, si ça en met tout de là, il va se passer à Aaron, quand il est dans la médaille, ensuite il va passer son sang, et puis il vit dans tout. Verset 12. Il égorgea l'Holocauste, le fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Nous avons toujours à dire, il s'est toujours transparent par Aaron et c'est Aaron qui a fait l'Holocauste. Verset 18. Il égorgea le bœuf et le bénit en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang
et il leur répondit sur l'autel du culte. Nous toujours encore les César, on toujours là, car Prince-Aaron, car présenté Aaron, Aaron n'a pas été capable de sortir l'autel là, il n'a pas été capable de sortir l'autel là.
Mais je vais faire un carreau de vol. Parce que pour lui, c'était des instruments non conformes devant lui. Il n'y a pas que ni pour le fait offrir de la vie du vendredi, pas offrir du vendredi. C'est pourquoi bien aimé, quand je dis ça, on a tout à dire là, on a fait mon parler, et puis. Non, ça fait des instruments qui sont compatibles pour Dieu d'abord. Mon papa m'a dit, parce que c'est dans la loi, mon gars, mort, mon gars, 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 les instruments qui sont consacrés sont réservés aux musiciens. Parce que les musiciens qui ont joué, c'est un cas joué pour la gloire de Dieu. Donc, je ne vais pas jamais être musicien, je ne vais pas aller dans mes mains et puis dire non, non, bien aimé. Et là, c'est bon qu'il y a un an, bien aimé. C'était des instruments qui partaient au haut de conforme. Qui étaient allés poser par feu à ce qu'ils avaient abondé. Et pour ça, mon Dieu, ça se fait ça se retombe tout de suite, bien aimé. Je serais sorti d'ouvrir l'éternel et puis, on nous quitte. Même notre café, c'était quand on fait, ça se fait de l'eau comme ça. Je dis, il y a un même dans là aussi. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention. Parce que les deux qui sont en haut, les deux qui sont habillés, c'est tout pour ça que comme un instrument posé le porteur devant lui. Pourtant, je parle de tabernacle là. Je peux faire du de tabernacle là. Mais je ne sais pas ça fait, puis je te fais pour faire par feu dans mon Dieu. Non. C'est pourquoi, Adam, place là qui bon Dieu, mettez-nous en nous et tout. Si vous mettez moi comme un prédicateur à enseigner le peuple, ma carte est simplement. Si vous mettez un instrument de louange pour donner le peuple, c'est un instrument de louange. Si vous mettez un instrument de musicien, avec un pont de travail, mettez comme un instrument de musicien. Pour que ça soit mon ouais, ou ce musicien, ou ce prédicateur, ou ce prêtre, ou ce évangéliste, ou ce pasteur. Non! Bon, je ne sais pas qui ça fonctionne. C'est où même qui c'est fini. C'est où même qui le fait mon ouvrage. Pardon. Moi, je m'aime. Laissez les petits joyeux là, en Égypte. Ce n'est pas des beaux pays. Il y a des choses. Qui fait pas partie de vos amis? Qui fait pas faire? Où est-ce qu'il se trouve? C'est un homme qui porte pas de l'histoire au peuple là. Et puis, c'est où même le peuple là, il est tout. Il va dans l'église, il va passer les toute la guerre. Il va dans la rue aussi tellement, il va dans le monde. Parce que si vous avez dit, vous mettez le pasteur, ancien, bien. C'est ça pour vous. C'est ça pour faire les autres. C'est pour cela, bien aimé, quand nous sommes dans la maison de Dieu, marchons par l'esprit de Dieu. Afin de ne pas accomplir les défis de notre jeune nature, notre sœur. Jeune nature, encore, il y a mes amis, oui. Oui, mais non, quand tu es, tu es pas très facile. C'est ce que tu vois, tu es. Oui, il y a l'air, oui. Ça, c'est la jeune nature de l'homme. Non. Tu sais, je vais avec la force que Dieu m'a donnée. Je prêche avec l'onction que Dieu m'a donnée. Je prêche avec ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de me faire voir. Oui, mais c'est pas avec les mêmes. Non, c'est pas avec les mêmes. Ça, c'est pas parce que vos fils. C'est pas pareil. Parce que, plus de fois, le plus souvent, l'homme, nous parlons de nous pour qu'on le comprenne. La personne dit, soyez mes imitateurs dans le Christ de Jésus. Ça dit tout ça, peut-être qu'on a Jésus Christ en nous fait. Donc nous faisons des choses et puis nous allons imiter l'homme. Ça ne pas gagner. Verset 17.
Ephésiens 7:17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Prends garde à ton pied, c'est-à-dire, voilà quand la maison de Dieu, attention, regardez. C'est attention. Le statut dans la maison de Dieu, après qu'on vous écoutez, peut-être que vous allez nous faire que vous nous entendez deux fois mieux, mais nous allons faire maintenant et que nous allons écouter à son seul. Après quoi vous écoutez, peut-être que pour offrir les sacrifices des insensés, alors qu'ils ne savent pas qu'ils font le mal. Vous m'avez dit, madame, vous avez dit, soit nous devons mettre les paroles de la pratique. Tout ça, nous devons faire avec succès, avec réussite et avec gloire pour la gloire de Dieu. Maintenant, si nous devons mettre les paroles de la pratique, tout ça, nous devons faire avec succès, avec réussite et avec gloire pour la gloire de Dieu. Mais il est derrière, mais nous venons être bon Dieu en culte d'adoration, nous devons même offrir bon Dieu en culte de justifier et puis nous faisons en culte d'adoration, nous faisons bon Dieu. Pour nous, nous disons que Dieu nous fait une grâce. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais nous ne parlons pas de la fin de l'époque qui s'est venue. Parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu, il dit ça. Bon Dieu, c'est dévoué. Oui, mais il est dévoué à habiller au bout de la table. Bien. Avec la crise de l'année, dans l'église, il n'y a que des instruments du diable. Lola. Lola. Et maintenant, pour le temps, à la parole de Dieu, à la parole de Dieu, verset 18 à 21. Acte 8, 18 à 21. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni parmi nous dans cette affaire, car ton corps, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Nous, Simon, ça a été nommé très magicien. Mais si nous avons Adam verset, vous allez prendre pour nous pour bien les comprendre. Voilà. Après 8 heures, à partir du verset 9, voilà. Nous avons bien compris. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait le tourment du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient : celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils sont crus à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne fit qu'un plus fini. Et il voyait avec étonnement les miens et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Donc, nous sommes l'histoire de Simon. Simon était un magicien. Donc, lui, il voit, comme il voit la bonne nouvelle qu'a prêché, même décidé de rentrer à la bonne nouvelle. Bon, j'ai fait une mot à l'âme, bien aimé, mais j'ai fait des autres passages. Je fais 10 ans.
plus de plus en plus facile jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait. Donc, vous dans la main de votre fils. Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous avez mon tour qui m'a mis, et si vous avez ouvert à révélation maman en l'état. Donc, vous écoutez attentivement parce que vous avez été mieux dans ces vagues de si moi, c'était un magicien, il dit, ouais, mon cas, d'arranger la vie, il même d'arranger la vie. Donc, il n'a jamais été, c'était, mais c'est magicien, regardez ça. Et, Adam, verset 18 ans, il dit que le Simon, ouais, c'est le fait qu'il était donné par les positions des mains, par les apôtres. Simon a dit, Il a dit, nous avons à temps même les gens qui montent l'église, c'est une habitude de Satan. C'est un instrument de Satan. Est-ce que nous pouvons passer ici? Mais on nous voit, Luc chapitre 22, verset 1 à 10. Je lui dis qu'il montait l'église, lui, Satan pour donner un instrument. Luc chapitre 22. La fête des fêtes sans le vin appelait la fête approchée. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'étendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gangs sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la voie et ils convertirent de convaincre de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion sans voix pour leur livrer Jésus à l'esprit de la foule. Amen. Nous voyons que Jésus fait un ennemi depuis 12 mois. Il a eu chacun un ministère, il était des instruments pour Dieu. Mais Adam, tout le monde a été bondé. C'est pourquoi la Bible dit nous éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont dans car si Dieu ne peut pas faire son vœu ni dans l'heure, nous allons la bénir. Jean chapitre 13, verset 1 à 2. Encore, ici de Satan dans l'église. Jean chapitre 13, verset 1 à 2. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le supplice, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, il s'est rendu de Simon, le dessein de l'individu. Amen. Nous encore que toujours, Judas encore, c'était un instrument choisi par Dieu. Voilà, c'est lui qui a dit Jésus. Bien, vraiment, pour nous, qui s'est passé, c'est pour montrer même tous ces serviteurs de Dieu, même tous ces instruments choisis par Dieu, ils n'avaient jamais quitté le monde. Ils n'avaient jamais quitté le monde. Ils étaient toujours attentifs. Mais Dieu a dit que le monde va arriver démasqué. Et puis l'esprit bon Dieu va nous démasquer. Est-ce que Dieu non, à ton 16,
versets 16 à 23. Quand nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en dominant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il se mit à me suivre, Paul et lui. Elle criait : Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit : Je t'ordonne, au nom de Jésus, de sortir d'elle. Et il sortit à leurs mains. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de l'organe, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêtre en disant : Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui avancent de coutume qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de vierge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sur eux. Amen. Bonne fois, les servants. Bien-aimés, nous sommes. Bien, moi, il est là. Mais ce dont j'ai révélé, moi, en révélation, c'est très fort à Dieu. C'est pour nous faire très attention. Vous allez bien qui t'a dit pas. Je vais vous parler avant de votre CB, c'est un mot qui m'a dit que vous êtes là. D'accord. Regardez bien. Je vous suis à la lettre. Il dit comme nous allons au lieu de prière. Il fait vous servir l'esprit de Python et qui en dominant procure un grand profit à ses maîtres au devant de lui. Il y a des livres du royaume. Vous en montrez. Allez en prière. Cet instrument de Dieu, Paul, Silas, recommandé par Dieu. Moins par Dieu. Vous en montrez en prière. L'esprit a venu du royaume. Il y a des gens qui ont été mis en prison. Et on dit, c'est le premier du Dieu de la vie, il vous a mis en prison. Est-ce que ça a été là parce que c'est la vérité? Tout le monde a dit c'est la vérité. Tout le monde a dit c'est pas la vérité. Effectivement, bien aimé. L'esprit a. Parler de l'éducat. Il dit que ses serviteurs sont les hommes du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. C'est du lâche de la vérité. Mais aussi, c'était en contrôle dans ce plan. Il y a les vrais bureaux qui m'a dit que c'est de l'éducat. Regardez bien. Il dit que ce sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Regardez bien. Et qui vient, et ça c'est l'esprit d'animation. Pour qui est parce que, quand je dis que c'est comme ça le service de l'éducation, au monde, vous entendez. Sinon, si on est tout à fait facile, un peu sûr, du monde là, mon radio, oui, parce que facile, c'est un homme qui dit notre bon Dieu, parce que facile, parce que facile, parce que c'est tout le monde. Donc, quand on dit de notre bon Dieu, ça fait un peu de Dieu. Mais Paul, c'est ça qui est différent de l'éducation. Et Paul dit qu'il y a un certain du Dieu. Est-ce qu'il y a un certain du Dieu? Est-ce que vous avez déclaré sur l'évangile? Qu'est-ce que vous avez déclaré sur l'évangile? J'ai pas de déclaré sur l'évangile. Il a tout trompé, même. Ce qui veut dire que l'esprit a un reflet de ce qui est vrai serviteur de Dieu. Et qui a été allé avec un vœu qui prêchait l'évangile. Donc, il y a l'esprit que peut-être que vous avez fait la connaissance du Dieu
on a fait un village à Saint. Mais la ville de Saint tenue en Dieu, je te prie, Dieu est la grande de ta vie. Et c'est pour la fête en Dieu, je te élève. Donc, l'homme qui a goûté, Paul, c'est mon activité. Le papa qu'on est dans le vrai Dieu, le papa qu'on est dans le vrai Dieu, l'homme qui a comme ça, je vais raconter que Paul et tout ce qu'il a, c'était des envoyés du Dieu et la Bible. Voilà. Vous voyez comment on est dans le monde? C'est le même que le cadeau à l'autre, la femme Marie qui a parlé, qui a fait mieux, il nous dit juste qu'on peut les enlever au Dieu. Mais ce n'est pas la femme Marie, c'est un Dieu même qui a transformé et qui a parlé. Vous pouvez dire au début de la vie comme ça que puisque ça fait la décision qu'on est en Dieu, c'est le ministre de la route qui a fait aussi. Il y a certains pouvoirs qui a parlé. L'esprit a commencé à dire, soyez un peu. Qu'est-ce que tout ce monde a fait connaître le vrai Dieu, nous l'avons fait. Et c'est de là que qui dit ça, ne pas que qui se attendit là, pas se connaître le vrai Dieu. Je te connais bien la grande de ce CD, je te connais des fidèles. Et même que l'esprit qui a entré à la vie là, je ne vais pas faire. L'esprit de Paul a commencé à imiter un tout seul. Parce que tous les jours la nuit, il vient, tous les jours la nuit, de Dieu, que tout ce qu'on a dit là, c'est à dire que ça a été de confiance. Ça a fait cette détail. Et c'est pourquoi l'esprit a fait la vie. C'est bien sur le serviteur du Dieu très haut. Il vous a montré avoir dit à lui. Il s'est dit la vérité. Mais en ce moment, c'est tout ce qui est là, c'est à propos de ces deux mots qui ont raconté Dieu et la veine des Éphésiens. Voilà. Et c'est pour ça, bien aimé, que, comme on dit, regardez le cas de Marie, à Paris, qui a fait mille ans, qui a tué. Mais tout parmi connaissance et puis révélation par l'Esprit de Dieu, l'Esprit a pas trompé. C'est le même que nous, bien aimés ici, nous trompons avant, mais nous devons aller et tous les vendredis, monter, nous vont calmer. C'est un démon, nous devons adorer. Nous ne pouvons pas connaissance quand c'est un démon. Mais l'Esprit de Dieu dit il fait ce que tout est l'Esprit nous. Et puis, il mettait tout ça en train de mettre tout ça nous. Et il fait ça pour nous voulons connaître le vrai Dieu qui fait ce qu'il donne à Dieu. Mais enfin, nous tout ça, nous pouvons être à nous, nous pouvons adorer à Dieu nous, nous pouvons donner à Dieu à la vie nous. Tout ce qu'on fait, c'est le vrai Dieu nous a donné. Parce que pour lui, l'Esprit de Dieu nous a donné, c'est pour tout ce qu'on a dit à nous. Qui s'est adoré nous, qui s'est fait nous comprendre que ce Dieu nous a servi. C'est le nom de l'homme qui nous veut, à ce Dieu qui est si pur et si vaste dans l'autre, c'est l'évangile. C'est que l'esprit a l'air que Dieu a démarqué ce Dieu qui a eu la guerre et les habitants du village qui ont eu le vrai Dieu, qui vous m'a fait le Seigneur, c'est le nom de l'habitant du Dieu très haut, qui vous a le savoir du salut. Donc, c'est le nom de l'homme. Acte 17, verset 15.
ceux qui avaient parlé Paul le point de vue vivant jusqu'à Athènes, puis l'entourant chargé de transmettre à Silas la Timothée de l'ordre de le rejoindre au pistil. Paul les attendait à Athènes. Il sentait au-dedans de lui son esprit civilité à la vue de ses deux têtes. Il y a aussi dit que ces hommes sont le serviteur du Dieu très haut, qui nous annonce la bonne femme. Et la présence de la ville à Téna, qui s'attendait, ignorait, il a pris son message à une seule, qui fait tout ce qu'il a, c'était mieux qu'une idole. Là, je continue. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes qui ont Dieu, et sur la place publique. Chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes et épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les interrogeaient. Que veut dire ce discours? D'autres l'entendant avancer Jésus et la résurrection de Dieu, il semble qu'il avance des divinités étrangères. Nous voyons que j'ai commencé à prêcher, mais dans la synagogue, bien aimé, et si nous devons adorer mon Dieu, je vais passer même connaître mon Dieu qui se laisse le ciel et je dis pour ça que c'est un discours. Je dis pour ça qu'il a annoncé des divinités étrangères. Et ça, c'est dans la synagogue. Continue. Alors, il le prit et le besoin à l'aéroport. En disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu as fait? Si vous avez répondu bien, ce sacrificateur-là qui est dans l'église, dans la synagogue-là, pourtant, le Dieu semble que Christ est le Messie, mais comme le prince de ce monde a fait de l'intelligence, il aurait été toujours assis à doctrine des démons. Et pourtant, le cadre est passé du bon Dieu. C'est pourquoi, mon Dieu, quand l'esprit a commencé, c'est dans le Paul, puis par quel. Il nous fait entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéroport, dit : Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Allez, il y a seulement, il n'y a pas où est ça, c'est là qu'on sait pour qui la fille a, pour la vie, qu'on sait que ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et pour qui ils ne sont pas plus du temps de ça. J'avais dit que c'était des coups. C'est en parcourant votre vue et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec certaines inscriptions. À un Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous en prie. Amen. Donc, quand on a actuellement dit, je mettre un hôtel, je vais mettre un Dieu connu. Je ne fais pas un autre soi-disant, je dois avoir un Dieu connu. Je vais mettre un Dieu qui est là. Et c'est pourquoi, quand on a un Dieu, parce qu'il y a un parti de notre planète, le vrai Dieu. Et là, quand on a dit, je vais dire au contraire, justement, je vais mettre un Dieu connu, et je vais mettre un Dieu connu, c'est Dieu connu. C'est Dieu qui est le ciel et de la terre. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des ténèbres faits de modèles, de temples faits de modèles. Il n'est point servi par des mains. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous sa vie, la respiration et tout ce qui est. Amen. Enfin, avec toi. Donc, bien aimé Noël, dans nos jours, nous discernons tout l'esprit.
capable. Parce que c'est pourquoi en pleine l'église, bien-aimé, ça a commencé à dormir, parce que les personnes ont fait. Et c'est l'eau qui t'a dirigé. C'est l'eau qui prend contre l'église. Si nous pas beaucoup, si nous parlons de discernement, si nous pas vraiment ça vous demander la bien-aimé, ça va être fait. Il te décourage, il te veut maladie, il te veut saigner, mais tu es des soins. Parce que c'est un instrument, il ne peut pas décider. On va voir aussi, Actes 17, 16 à 20. Actes 17, oui, je vous l'avoue. C'est bon. Alors, je vous dis que. Le Dieu ne prête jamais l'évangile, mais il s'oppose contre la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 13, 19, lorsque la parole a été semée, que son médiateur, il vient et il enlève cette parole, de peur que la personne ne se convertisse. On va le travailler du Dieu. Il a pris la parole là. Et puis, j'avais bien l'information du Seigneur pour le serviteur du Dieu très haut. Donc, si nous comprenons bien, il faut remettre l'évangile de l'Esprit. Non, il dit la vérité, mais il s'est détourné ce plat pour qu'on puisse comprendre que Père et Pilate, c'était des serviteurs de la grande déesse qui servit la seule Dieu de l'Église et de Dieu qui était la fille la grande déesse de ce Dieu. Et nous ne pensons pas tout ce qui est là, c'est. Oui, voilà, oui, tout à fait. Lui, après 19, verset 37, pour voir ce que je disais. On va se reprendre, voilà, à partir du verset 24. À partir du verset 24, pour essayer de bien comprendre. Et entendez que non seulement en Éphèse, mais dans presque toute la vie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mes hommes ne sont pas des dieux. Mais c'est pour ça qu'il y a de la partie de Paul, mon Dieu là. Oui, mais c'est pour qui ils sont là, que le peuple qui est devant Dieu, il tient de faire. Regardez, même le triage de la vie, c'est comme les hommes du Dieu, Pierrot, il tient de Paul. Il fait l'eau, mettez la main pour traîner Paul, jeter Paul en civil. Parce que pour qui, c'est ça qui fait que le Père qui est enseigné, il a pour dire qu'on est le vrai Dieu. Continue. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie de tombe en décrit, c'est encore que le temps de la grande déesse ne soit connu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute la vie et dans le monde entier ne soit réduite en rien. Donc, pour être qui les veut, il passe à l'épaule, annoncer l'évangile, parce que le thème un Dieu qui était roi, et puis ça fait le thème dans le même Dieu, et c'est Dieu qui a été dans sa vie. C'est pourquoi il a dit c'est bon qu'on me servit du Dieu très roi. Pour ces moules-là qui sont là, je sais qu'il faut comprendre que Dieu t'a été dans ta vie, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Et pourtant,
c'est le vrai Dieu, ce qu'il a dit, mais c'est un peu trop petit là pour que les pasteurs des montagnes, c'est les serviteurs du Dieu de Jamnagou. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier. Grande est la viande des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens compagnons de relève de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples n'en empêchèrent. Quelques jeunes des qui étaient ses amis envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Quand le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Ils ont les autres pour d'une manière, les autres d'une autre. Donc, c'est pour vous que plus à la cité là, mais ce n'est pas facile d'esprit. Jeanne n'a rien de défaut, ce n'est pas facile d'esprit. C'est pourquoi l'esprit est avant Dieu, il a dit que ces hommes sont les serviteurs du Dieu seul, parce que le peuple même qui était à deux villes avait placé Jeanne comme un Dieu seul. Conclusion. Alors on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, grande est la viande des Éphésiens. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit homme Éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez un ami présent qui ne sont coupables ni de sa fidèle, ni de blasphème envers notre Dieu. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des lieux d'audience et de proconsuls qui s'appellent en justice et les uns et les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition. Ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier ce qu'on fait pour nous. Après ces paroles, nous prenons le temps de l'assemblée. Amen. Amen. Alors, je vais mettre, après tout ça, vous voyez, vous m'avez dit, bon Dieu t'a dit, sais-tu quel instrument tu as fait? Quand vous savez qui est ce qui m'a envoyé, vous dites, il y a des Paul comme instrument pour porter devant les pouvoirs des rois, devant les gouvernements, devant les nations. Il y a Paul qui travaille la bonté de Mandé. Il y a vous qui vous avez appelé. Il y a vous en tant que quel instrument. Il t'a choisi pour vous. Son esprit, et quel instrument est-ce que tu utilises? Quel instrument veux-tu être pour Dieu? Il peut être là, ou pas cet instrument, bon Dieu à Péro, ou pas cet instrument, quel instrument est-ce pour Dieu? Mon pays doit de parole, bon Dieu, dans un acte de volonté, par un fait. Acte 3, verset 47. Car ainsi nous a ordonné le Seigneur,
me suis établi pour être la lumière des nations, pour porter vos salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est un but. Ce n'est pas encore qu'un instrument qui n'est pas choisi. Mais comme ce matin, le Seigneur te dit, je t'ai établi pour la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, en commençant de ton quartier, en commençant d'aller vivre. Commençons dans la Martinique, pour vous donner un peu de l'eau de la terre. Prenez-nous dans l'idée pour nous lever pour la gloire de Dieu, pour ce l'évangile, porter le salut aux âmes, à ceux qui meurent, qui ne connaissent pas Christ, à ceux qui ont besoin de connaître Christ. Dieu a fait de nous, chacun de nous, un instrument pour porter sa gloire. Mais ce matin, quel instrument es-tu pour Dieu? Quel instrument veux-tu qu'il soit pour Dieu? Ça se fait chacun de nous. Nous aurons des comptes. Chacun de nous, et nous nous comparerons devant le tribunal de Christ et nous devons recevoir. Ce que nous avons fait au sein de son corps, ce que nous avons promis à ton père, parmi nous. Nous voyons que les temps sont difficiles. Et le diable est à la fin, des meurtres, des accidents, toutes sortes de tueries sur le monde. Le monde n'a pas de solution. Mais la solution est en Jésus. La solution, Dieu nous l'a donnée. En étant tout le monde, et que c'est la bonne nouvelle à toute la création. Je vais faire un petit sondage. Ça fait janvier, février, mars, avril, mai, 7 mois que l'année a commencé. Qui a déjà amené une âme au Seigneur? Qui a déjà dit, Seigneur, j'ai fermé, ne sais pas si c'est quoi. Béni soit l'éternel. Béni soit l'éternel. Je vous invite à continuer encore. Bien aimé, ce n'est pas nous qui convertissons les âmes. C'est Dieu. J'ai fermé, mais si ne sais quoi. Vous avez l'heure pour qu'il vienne quelquefois ici, et que moi j'ai fermé. Je dis, Seigneur, je t'aime. Je ne suis pas le Saint-Esprit, c'est pas moi qui convient le cœur. Ta parole a été fermée, maintenant, le Saint-Esprit prend la place. Je vous dis, à mon étranger, je vais prêcher l'évangile. Et après 20 ans, il vient se donner ici. Après 20 ans, il vient le jour, il est sorti au culte, il m'a regardé la souris, il m'a dit, je suis pensé. Je suis parfait. Avec son mari, je suis fait son domicile. Après 20 ans. Et heureusement, ce jour-là, où elle était sous le parking de la station en train de mettre sa prière avec son recueil de 44 prières, que le Seigneur m'a poussé à remonter à travers la vie en voyant le livre de 44 prières dans le film. Et finalement, je lui ai dit. Je peux te demander. Et aujourd'hui, j'ai merci. Et puis, je suis un convaincu de péché, de justice et de jugement. Son mari, et lui, se sont donnés au Seigneur. Ce n'est pas notre travail de convaincre le cœur. Nous sommes, plus on s'aime, plus on a des choix. Et plus le Seigneur va passer le morceau. Et ce jour, nous allons t'aimer. Un jour, nous n'allons pas prendre notre récompense. Prêchons l'évangile. La peuple a pu dire, nous serons en train de ne prêcher pas l'évangile. Parce qu'il est un instrument dans les mains du Seigneur.
devait prêcher la parole en toute occasion. Même il a dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, du moment que tu es un moment favorable, bien-aimé. Mais si vous n'êtes pas allé sans lui, c'est pas grave. Il était ici quand même. J'ai rencontré une jeune fille. C'est vendredi, vendredi, oui, peut-être. Hier, j'ai fait un jeune qui parlait mon effet. Vendredi. Ça a passé la fleur partout. Elle m'a dit, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas une profonde information. Je vous dis que tu veux la gloire, je n'ai pas de quoi manger. Quand je vous regarde, j'ai fille, elle a de la peine que tu ne peux pas. Je vous ai dit, je vous explique que c'est un vendu pour vous adapter avec l'argent. Je vous ai dit, je lui ai dit, je vous le donne dans le premier jour. Mais si vous acceptez la drogue, avec cet argent, ça va suffire que Dieu vous fatigue. Parce qu'il n'a pas vu que vous avez dit que vous avez acheté à manger. Il m'a dit non, monsieur, c'est à manger que je vais acheter. Et de ne pas avoir la parole de Dieu, vous attendez. Si j'ai acheté l'éternel pendant qu'il est temps, une jeune fille pendant cette étape, c'est malheureux. Seul Dieu, Dieu veut te sauver. Et puis, il m'a dit merci. La plus petite parole que nous avons semée, c'est celle qui donnera un arbre avec, comme dit la Bible, sans grain. Parce que, en semant la parole ne retourne pas à Dieu sans ne pas avoir accompli la volonté de Dieu. Et même cette même parole, cette même personne qui l'a dit, comme la femme samaritaine, je ne sais pas, j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que. Vous voyez, ils n'ont pas la honte de semer la parole. En fait, nous voyons, on va prendre Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos mains aux péchés comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort comme vous étiez, et offrez à Dieu vos mains comme des instruments de justice. Ne livrez pas vos mains aux péchés. Romains 6, 13. Ne livrez pas vos mains aux péchés comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. De mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos mains comme des instruments de justice. Qui veut être un instrument pour servir Dieu? Qui veut être un instrument de justice? Venez recevoir la bénédiction de Dieu sur la vie pour être un instrument pour les médecins. Ceux et celles qui veulent être des instruments entre les mains du Seigneur, des instruments de justice, vous voulez que Dieu vous utilise pour sa gloire, approchez-vous à recevoir la bénédiction.